à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous prépare une petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles. Allez, c'est parti. J'ai récupéré la licence 3 entraînement sportif spécialité triathlon grâce à mon parcours et ma motivation. Exactement, donc je suis orthoptiste, je travaille environ 30 heures par semaine et je suis à la fac également en même temps. Donc je rattrape principalement les cours le soir et le week-end. Oui, bien sûr, je continue de m'entraîner, donc je m'entraîne en général deux fois en course à pied, une fois en vélo en sortie à l'extérieur ou alors en entraîneur, et bien sûr la séance de renfo de la semaine. Je n'ai malheureusement plus le temps de mettre des entraînements piscine, mais j'espère y remédier bientôt. Alors mon objectif, c'est d'avoir ma licence surtout, mais sinon mon objectif sportif, c'est le Half Ironman d'Aix-en-Provence qui a lieu en mai l'année prochaine. J'espère pouvoir m'entraîner vraiment comme je veux, mais ça va pas être évident. Bien sûr, je prends le temps de préparer ma séance chaque semaine puisque en plus c'est devenu une séance officielle du Stade Français Triathlon. Donc c'est hyper important pour moi. Alors en général, c'est le vendredi soir. J'essaie de faire vraiment mon maximum pour pouvoir faire le montage et la sortir sur YouTube le vendredi. Ne sont pas réservés exclusivement aux grands sportifs. Je mets énormément d'alternatives pour les personnes qui sont moins entraînées. J'ai gagné en cadence de pédalage avec plus de force dans les cuisses. J'ai une meilleure stabilité également sur mon vélo grâce à un meilleur gainage. Je fatigue moins vite, j'ai une foulée qui est beaucoup plus économe. Donc pour résumer, je cours plus vite, plus longtemps, en dépensant moins d'énergie. Un petit peu, puisqu'on me demande souvent quand sort la prochaine vidéo. Donc j'essaie vraiment de faire des vidéos de qualité et des vidéos surtout qui vous motivent. Merci de me soutenir, n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des commentaires à les mettre sous les vidéos, ça peut être que du positif pour améliorer mes séances.